Verseau, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Je vous souhaite un joli mois de juillet. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, évidemment, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. À vous abonner. Et puis, je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui soutiennent ma cagnotte PayPal. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà. Et puis, je vous invite évidemment à aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Donc là, c'est la vidéo pour les Verseaux. Signe lunaire en Verseau, la lune en Verseau et votre ascendant en Verseau, si c'est votre cas. Voilà. Alors, vous avez terminé le mois de juin, d'après le tirage précédent que j'avais fait en juin, avec la tour. C'est-à-dire qu'il y avait des grosses remises en cause, des gros changements, des prises de conscience ou un coup du sort. Ça pouvait être un coup de foudre, ça pouvait être un coup de tonnerre, un coup de gueule. Enfin, plein de... une surprise, quelque chose qui venait remettre en cause des croyances limitantes, en fait, dans votre vie. Un gros changement. Voilà. Alors, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois, c'est l'ermite et vous l'avez deux fois sur le tirage. Donc, c'est pas du tout à négliger. Je pense que c'est un des axes de travail principal, un des axes de travail principaux pour vous au cours du mois. L'ermite, à la fois, vous protège dans votre cocon, vous apprend des choses. C'est peut-être un mois où vous allez pas mal lire, pas mal étudier, vous perfectionner sur des savoirs. Mais il vous parle aussi évidemment de solitude, de repli sur soi, de besoin de compréhension, de faire un cheminement intérieur. Voilà. L'ermite a des connaissances qu'il ne soupçonne pas. Souvent, il pense qu'il n'est pas à la hauteur de quelque chose. C'est aussi parfois la raison pour laquelle il se tient en retrait. Alors qu'en fait, il est d'une grande modestie et il est parfaitement capable de comprendre certaines choses que d'autres qui vont être plus extériorisés n'ont pas compris. Voilà. Alors, l'énergie de début de mois pour vous, c'est le 2 de coupe. Vous arrivez avec une envie de bonheur, soit vous avez une nouvelle relation sentimentale, soit vous avez envie d'une nouvelle relation sentimentale. Vous êtes de toute façon équilibré dans vos fluides, en fait. En gros, c'est ça. Il y a un équilibre. Vous avez l'air de vous amuser, vous partagez des choses avec des amis. Enfin, voilà, vous êtes bien dans vos émotions et... c'est vraiment le bon équilibre, la bonne dose de tout ce qu'il vous faut pour être heureux, en fait. Alors, peut-être qu'il y a une relation amoureuse, peut-être qu'il n'y en a pas, mais dans tous les cas, vous êtes heureux. Voilà, c'est déjà bien. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une relation amoureuse. Si c'est le cas, elle n'est pas très, très concrétisée, on va dire, parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est justement « the lovers ». Alors, « the lovers » vous parle de plusieurs choses. Il va de prime abord vous parler de choix, de la capacité à prendre des décisions. Donc peut-être que vous souhaitez avancer dans votre vie et prendre la décision de vous engager sur quelque chose. Je dis bien quelque chose parce que ce n'est pas forcément une relation sentimentale en fait. Hein. C'est peut-être passer un contrat avec vous-même, vous engager sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, vous engager avec des personnes ou ouvrir une entreprise, ou enfin, ça peut être plein de choses à partir du moment où on parle d'engagement. Évidemment, il peut aussi, puisque vous avez un 2 de coupe et que vous avez aussi l'ermite qui revient, vous parler d'avoir envie d'avoir une relation amoureuse, de vous engager sur une relation amoureuse, c'est possible. Voilà. Il parle aussi, l'amoureux, il parle aussi de créativité en fait. Inconsciemment, il y a un petit peu ça qui est sous-jacent derrière. Donc voilà ce que vous voulez. Je pense que, évidemment, le message principal, c'est quand même que vous trouviez ou que vous soyez engagé avec un amoureux ou une amoureuse. Hein. Voilà. Alors, vos atouts pour le réussir, et ce n'est pas un atout négligeable du tout, c'est le 6 de Pentacle. Vous en êtes arrivé à un point dans votre vie où vous savez mettre de l'énergie là où on vous en redonne. C'est donnant, donnant. Tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Si vous voyez que quelqu'un s'investit dans une relation avec vous, là, vous allez pouvoir vous investir également. Il y a un peu de bruit dehors, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Voilà, ce n'est pas un atout négligeable parce que ça veut dire que vous savez vous aimer vous, que vous savez où sont vos priorités, qu'il y a des gens à qui vous pouvez faire confiance et accorder de l'attention et qu'il y en a d'autres
où vous avez compris la leçon, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de gaspiller votre énergie pour des personnes qui ne le méritent pas. Voilà. Donc c'est un bel atout pour réussir à trouver ben, un partenaire avec qui ça va être équilibré, ou voilà, un partenaire au sens large. D'accord? Ça peut être professionnel, je vous l'ai dit. Votre frein pour réussir à vous engager sur ce que vous souhaitez, c'est l'as de pentacle. Alors, vous avez des envies, par contre, vous n'arrivez pas, ou vous avez du mal à les concrétiser dans la matière, c'est-à-dire à vous créer les opportunités ou à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que vous voyez, ici, c'est vraiment saisir quelque chose. Ici, c'est un jeu où on attrape une balle. Donc, il y a bien des balles, il y a bien des situations devant vous qui se propose, qui se propose, bah, vous voyez, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir une proposition, j'en sais rien. Mais peut-être que vous, vous ne savez pas la saisir au moment où elle est là. Donc, si on parle de rencontre amoureuse, peut-être que vous avez croisé ou vous croisez des personnes sur votre route qui pourraient éventuellement vous plaire, mais vous ne leur montrez pas que, voilà, vous, je ne sais pas, vous vous dites, bon, bah, plutôt que de rester boire un verre avec cette personne, vous vous dites, bah non, moi, je dois rentrer chez moi. Et du coup, bim, ça passe à côté. Sur le plan professionnel, ça peut être ça aussi. Peut-être que on vous dit, tiens, il y a un contrat, là, il y a un truc à faire, voilà. Et vous, plutôt que de saisir l'occasion en disant, hop, je prends, c'est pour moi, je fais, bah, vous dites, oui, bon, bah écoute, je t'en parle la semaine prochaine parce que là, pour le moment, je suis sur autre chose. Et hop, et du coup, le contrat est confié à quelqu'un d'autre. Je vais quand même aller fermer ma fenêtre parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui fait de la meuleuse. Donc, j'arrive. Voilà, donc c'est votre frein. Peut-être également que vous avez, parce que c'est l'as de denier, vous avez peut-être un blocage par rapport à votre corps. C'est-à-dire que vous pensez que votre corps n'a pas le potentiel pour réussir quelque chose. Alors, est-ce que c'est un effort physique que vous devez faire au boulot pour un contrat? Ou est-ce que c'est dans une relation amoureuse où vous vous dites, ah oui, mais je dois... Il peut y avoir un rapport au corps qui est un peu sous-jacent et compliqué ici et qui vous freine. Alors, ce dont vous êtes conscient... au cours du mois, ce que vous savez, c'est la lune. Alors, vous savez, si vous êtes une femme, par exemple, vous savez que vous êtes très féminine. Vous savez que vous avez un potentiel un petit peu mystérieux pour quelque chose, pour une histoire romantique. Je vous dis ça parce que vous avez les amoureux, hein, voilà. Vous avez de la ressource qui est cachée si vous êtes sur une lecture davantage professionnelle. Voilà, vous savez qu'il y a des choses cachées sur lesquelles vous pouvez compter. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir au cours du mois aller justement chercher, puiser dans vos ressources intérieures, dans vos parts d'ombre. Peut-être pas ce que vous aimez le plus montrer aux autres, mais pour aller soit à la conquête d'un amoureux, soit à la conquête d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, ce que vous ne savez pas et ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un frein effectivement important si vous voulez faire des rencontres sentimentales. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que peut-être que vous affichez une solitude et que vous avez en vous cette... comment dire, vous ne voyez pas que vous vous tenez en retrait en fait, d'accord, voilà, et que peut-être que c'est ce que vous dégagez pour les autres, c'est-à-dire que peut-être que vous affichez, alors je vais en remettre dessus, on va voir, on va en remettre une, peut-être, alors j'allais dire peut-être que vous affichez une indépendance ou un besoin de solitude qui fait que, vous faites un peu cavalier seul, alors que ce soit sur un plan professionnel ou sentimental, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui travaille en équipe, ou peut-être que vous vous isolez trop et vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez peut-être trop le nez dans vos bouquins aussi, c'est possible, hein, la personne est en train de lire. Évidemment, tout ça, ça peut faire que... L'ermite est très érudit, si vous voulez, mais il n'est pas tellement dans l'action. Donc, sur un plan professionnel, vous avez peut-être toutes les compétences. Mais si vous n'êtes pas dans l'action, que vous restez sur ça, ben voilà, peut-être que quelqu'un pourrait vous voler la vedette parce que l'autre personne va être dans « je concrétise et je m'engage ». Alors, on va voir ce que nous dit l'ermite là. Le 5 de bâton. Ouais. Vous avez du mal à faire votre place en société. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à des concurrents
Sur le plan professionnel, bah, vous avez tendance à vous tenir en retrait, alors qu'en fait, vous avez votre place. Vous pourriez faire, mais vous ne savez peut-être pas assez vous mettre en avant. Et puis, sur le plan sentimental, bah, vous êtes peut-être un peu sur la défensive en vous disant, bah, de toute façon, il y a plein d'autres jolies filles autour de cette personne, ou il y a plein de, y a plein de beaux mecs autour de cette fille. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Voyez, ça peut être ça en fait. C'est peut-être aussi que vous affichez un caractère un peu combatif. Alors, je sais pas comment dire les choses. C'est-à-dire, c'est peut-être pas facile de vous aborder parce que vous êtes fermé et puis que vous êtes dans une dynamique où oh ben, je suis bien tout seul, oh ben, moi tac, moi c'est ça, moi c'est ceci, moi c'est cela. Et du coup, ça manque peut-être un peu de douceur. Alors qu'en fait, au fond, vous n'en manquez pas puisque vous avez la lune et que c'est au contraire une énergie très romantique, très douce. Voilà, donc ça peut laisser aux autres une impression de j'ai pas besoin d'eux, vous voyez, j'ai pas besoin d'une relation. Ça peut être ça. Ou c'est pas facile de vous approcher parce que vous êtes un peu sur la défensive. Voilà. Bon. Alors, sur le plan financier, vous avez la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse veut nous dire que déjà, vous parlez pas tellement de vos finances. Je pense que c'est un peu secret. Il y a peut-être des choses à aller comprendre sur vos finances. C'est un peu caché en fait. Hein. Voilà, vous êtes peut-être en train de commencer à prendre conscience de certaines choses sur le plan financier. Je ne suis pas sûre que vous ayez tout le temps le nez sur vos comptes. Je vais en remettre une. Le nez sur vos comptes. Au cours du mois, on vous dit quand même évidemment de vous fier à votre intuition. Mais la grande prêtresse, ce n'est pas du tout quelqu'un de calculateur, c'est quelqu'un d'intuitif. Donc vous gérez peut-être un peu à la one again vos finances. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, mais voilà, on va en remettre une. Le 2 de Pentacle, là. C'est plutôt équilibré, en fait. Vos finances sont plutôt équilibrées, mais je pense que vous y accordez. C'est pas que vous n'y accordez pas beaucoup d'importance, mais vous laissez les choses se faire un peu de manière intuitive, en fait. C'est plutôt ça. Voilà. Donc bon, bah, c'est pas catastrophique, c'est plutôt en équilibre hein, quand même avec un 2 de Pentacle. Alors c'est rigolo parce que vous ressortez le 2 de Pentacle après et vous aviez déjà un 2 de coupe. Hein. Je regarde parce que du coup, vous avez quand même pas mal, le fait qu'il y ait pas mal de 2, vous êtes quand même un peu au début de quelque chose. Je pense que vous êtes dans une dynamique qui est un petit peu cardinale, c'est-à-dire en début de quelque chose en fait. On le voit, mais c'est parce que vous avez eu la tour. Alors, sur le plan professionnel, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit que, on vous encourage à communiquer peut-être davantage. Vous avez un atout fort pour communiquer, pour que les choses aillent vite. Alors, est-ce que vous travaillez dans un métier de la communication? Ben, c'est possible. Et du coup, c'est plutôt porteur. Il y a des choses qui pourraient se précipiter, venir vers vous plus rapidement que ce que vous le souhaiteriez. Peut-être aussi que certains sont un peu bousculés. Parce que ben, on arrive en période estivale, donc j'imagine que voilà, il y a des vacances de prévues. Et peut-être qu'avant de partir en vacances, il faut tout boucler et ça se bouscule un peu. Voilà. Il y a quand même pas mal de feu et de passion sur votre carrière là. Donc il y a beaucoup de dynamisme et d'envie. Et je pense que la communication est vraiment un outil fort sur lequel vous pouvez compter. Donc tous les métiers de la communication ici sont particulièrement favorisés au cours du mois. Voilà. Dernière carte, avant la synthèse, sur le plan sentimental, vous avez le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, dans tous les cas, vous parle d'un équilibre, de retrouver une sérénité, un équilibre, un jonglage. Alors, peut-être que vous vous amusez avec plusieurs relations, c'est possible, que vous jonglez sur plusieurs choses, hein, voilà, tout en gardant un statut plus ou moins de célibataire, hein, clairement. Ici, ça ne veut pas dire que vous voyez personne du tout, mais vous n'êtes pas engagé sur quelque chose pour l'instant. D'accord? Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que vous le voulez. Peut-être que vous avez pas mal de sollicitations aussi, parce qu'on voit ici qu'il est sur tous les feux. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait plusieurs opportunités qui se présentent. Alors, faites attention, puisque vous avez tendance à rater les opportunités. Voilà. Mais
Dire qu'elles ne sont pas là, c'est pas vrai. Je ne pense pas, puisque on vous sollicite pour plusieurs choses. D'accord? Donc, voilà. Dans tous les cas, voilà, équilibre et amusement. Ça peut être ça aussi. Hein, dans un tarot traditionnel, le 2 de pentacle, c'est un jongleur. Donc, c'est quelqu'un qui s'amuse. D'accord? Qui trouve son point d'équilibre entre plusieurs choses. Donc, c'est plutôt positif. C'est pas forcément ce que vous recherchez absolument, puisque vous voudriez quelque chose de plus engagé. Mais vous dire que vous êtes mal avec un 2 de pentacle sur le plan sentimental, non, pas du tout, quoi. Voilà, absolument pas. Voilà, alors, l'énergie sur laquelle vous êtes pour finir le mois, c'est le cavalier d'épée. Donc, on retrouve cette notion d'être extrêmement convaincant. Donc, vous voyez, sur le plan professionnel ici, ça peut vraiment vous aider d'être combatif. Vous poursuivez votre quête, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez, vous êtes à fond, hein, vous voyez, vous prenez des risques, vous osez prendre des risques. Alors peut-être que du coup, ça va vous aider à sortir de cette réserve de l'ermite, ça va peut-être vous aider à prendre, à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Je vais en remettre une et puis on va s'arrêter là. Mais vraiment, vous avez le feu, la pêche, vous êtes comme un guerrier. Alors, faites simplement attention à cette tendance à être un peu sur la défensive. Parce que alors, le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui coupe les têtes avant de réfléchir. Hein, d'accord? Quand il est une quête, c'est le guerrier, il part, on lui a dit tu dois éliminer l'ennemi. Alors lui, il ne cherche pas à réfléchir, il élimine. Hein. Donc, comme ici, vous aviez une petite tendance à être un peu sur la défensive, ne soyez pas non plus trop expéditif hein, dans vos rencontres. Hein. Éventuellement, puisque vous cherchez un engagement, vous souhaitez un engagement. Le 3 d'épée, ah ouais, ben, donc c'est bien ça, hein. C'est quand même que vous avez quand même vos blessures de cœur qui ressortent et vous avez la possibilité de vous battre soit pour les soigner, ces blessures de cœur évidemment, mais aussi peut-être que certains d'entre vous vont continuer à être un peu expéditifs, un peu durs, un peu froids avec les autres, parce qu'il y a des blessures de cœur et que pour l'instant, bah, vous avez du mal à les soigner. Enfin, ça va dépendre des personnes, d'accord? Là, je ne peux pas vous dire comment vous allez réagir exactement, hein, ça c'est vous qui savez, mais sachez que vous avez la possibilité de soigner ces blessures de cœur, de les dépasser en étant combatif, en étant convaincant. Mais si vous tombez dans l'énergie excessive du cavalier d'épée, bah vous allez être trop tranchant, trop direct, trop abrupt. Et du coup, ben, ce n'est pas ça qui va vous mettre du baume au cœur. Hein, d'accord? Ce n'est pas une énergie chaleureuse. Là, vous avez pourtant besoin de baume au cœur. Voyez? Donc, voilà. Voilà. Les messages que j'ai pour vous, les Verseaux, je me demandais si. Oui, je voulais simplement regarder, toute dernière petite chose. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures au cours du mois, ce qui me semble quand même assez important. Je vous ai dit, vous êtes dans une énergie cardinale, ce qui veut dire que vous êtes au début d'une nouvelle dynamique, hein, d'une nouvelle phase peut-être de votre vie, d'une nouvelle période de quelques mois, peut-être plus. Donc voilà, vous êtes sur la pente montante avant de trouver une stabilité. Et 4 arcanes majeures, ça veut quand même dire, si je les reprends, et pas des moindres, hein, parce que, vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'arcanes. C'est assez rigolo. C'est que, si vous. Enfin, rigolo, c'est pas rigolo, mais vous avez envie d'un engagement, vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, là. Sauf que vous avez les arcanes qui sont les plus insondables, les plus profondes, non pas que les autres soient légères, mais comment vous dire, là, on sent qu'il y a un besoin de partage, si vous voulez, d'accord? Et en fait, ces arcanes-là, c'est toutes des choses cachées. L'ermite, il vit tout seul, la papesse, elle parle pas, elle communique pas, elle se tient en retrait, et la lune, ça se passe la nuit, tout est caché, donc tout est sombre. Donc vous voyez, vous avez quand même encore un travail à faire, je pense, pour réussir à sortir de votre réserve et mettre les choses en lumière pour aller conquérir cet amoureux en fait. Hein. Voilà, donc si vous vous sentez bien dans votre vie, ce qui est certainement le cas pour la plupart d'entre vous, sortez en fait. Acceptez de vous ouvrir à autre chose. Sortez
de ce caractère trop caché, trop intériorisé, ça se dit ça, un caractère intériorisé, je ne suis pas sûre, hein. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner pour que les choses puissent avancer davantage. Voilà, je vous souhaite un joli mois de juillet, les Verseaux, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous le rappelle, c'est sous la barre d'infos que vous trouverez ma... mon adresse mail. Je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.